Face aux révélations d'agressions sexuelles dans plusieurs bars de la capitale, très peu d'informations filtrent du côté du parquet de Bruxelles qui mène l'enquête. En réalité, c'est la seule façon pour lui de travailler efficacement. Les dossiers de mœurs, ce sont toujours des dossiers délicats. Et donc, l'enquête se poursuit généralement en sous-marin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va rassembler toute une série d'éléments de preuve, qui sont des éléments de preuve objectifs. Ça peut aller des traces biologiques, aux images de vidéosurveillance ou d'autres témoignages, par exemple. Et donc, lorsqu'on a rassemblé toutes ces preuves-là, à ce moment-là seulement, on décide de confronter un suspect potentiel à ces éléments. Et ce qui ne facilite pas non plus la tâche des magistrats, c'est l'explosion des affaires de mœurs à Bruxelles. En 2017, 924 nouveaux dossiers sont entrés au parquet sur l'année. Et en 2020, on en compte 1977, soit plus du double en 3 ans. Plusieurs explications à cette augmentation, le mouvement MeToo qui a libéré la parole des victimes, mais aussi l'ouverture du centre pour violences sexuelles. Et puis un dernier élément qui est non négligeable, c'est le fait que sur les dernières années, il y a de nouvelles lois qui sont entrées en vigueur et qui vont en fait criminaliser des comportements qui auparavant ne l'étaient pas. Et donc forcément, ça entraîne de nouveaux dossiers. Et donc là, je pense par exemple au voyeurisme ou au revenge porn. C'était des comportements qui, avant 2018, n'étaient pas sanctionnables pénalement. Or, aujourd'hui, c'est le cas. Pour traiter tous ces dossiers, 3 magistrats seulement et une équipe de 3 juristes plus 4 personnes administratives, cela semble dérisoire. Maintenant, on nous a promis un juriste supplémentaire qui viendra donc renforcer l'équipe dans les mois à venir. La priorité du parquet de Bruxelles, faire toute la lumière sur les dossiers de mœurs.